Voilà, deux camarades ont été concernés par cette pantalonnade, appelons-la ainsi, hein, ce qui s'est passé depuis 3 jours au sein de notre formation politique. La commission de discipline élargie au bureau exécutif du parti vient de terminer sa réunion et elle a pris 2 mesures spécifiquement. La première, à l'endroit du président national par intérim du parti, le camarade Omer Moussouanza, qui se solde par un blâme parce qu'il a signé un document sans avoir reçu mandat des instances habilitées du parti et à l'insu de celui-ci, ce fameux mandat qui a pris à partie 5 juges constitutionnels. La deuxième décision qui concerne le camarade Einstein Ebengokoko, ce candidat qui a pris à partie les 5 juges de la Cour constitutionnelle en engageant des avocats et en prétendant agir au nom et pour le compte de notre parti, fallacieusement, et avoir répandu dans les réseaux sociaux un entretien que j'ai eu avec lui à titre personnel. C'est une décision extrême, la décision de radiation. Il perd donc sa qualité de membre du parti. Cela lui sera notifié par le secrétaire général dans 48 heures. Vous vous en rendrez compte vous-même en écoutant l'audio qui a fuité, et vous vous en rendez compte maintenant à la décision qui vient d'être prise par le comité de discipline de notre parti et qui a tout mon appui. Je ne suis pas né de la dernière pluie et je ne suis pas une girouette qui tourne à tous les vents. Je suis membre du Front commun pour le Congo, en ma qualité d'initiateur de l'Alliance Convention des Congolais Unis et Alliés, et à ce titre, fidèle aux idéaux du Front commun pour le Congo.